D'abord, ce congrès a toute son importance dans le cadre d'une professionnalisation du monde des comptables et des intermédiaires économiques. En tant que secrétaire général de l'UCM, qui représentons les indépendants et les entrepreneurs, nous savons que les comptables, les fiscalistes, les réviseurs d'entreprise sont les premiers partenaires les plus directs avec les entrepreneurs. Et quand on sait l'importance économique, administrative et sociale que recouvre la notion d'indépendant, il est important évidemment que ces partenaires soient professionnels et se tiennent au courant. Le deuxième aspect, c'est que j'aime beaucoup le titre « Forum for the Future ». Et là, effectivement, c'est se tourner vers l'avenir, se tourner vers le futur, alors qu'aujourd'hui, on est en pleine mondialisation qui ne nous attend pas pour faire évoluer les choses. Donc, en tant que représentants des acteurs économiques, il nous semble vraiment important à la fois de soutenir les entrepreneurs, mais aussi de les accompagner et de les aider à pouvoir se développer. Voilà pourquoi le congrès est vraiment une approche qui nous intéresse beaucoup et que nous soutenons. Je sors là d'un colloque sur la fraude sociale et la fraude fiscale, où mon message a été de faire savoir qu'il fallait arrêter de caricaturer l'entrepreneur et l'indépendant comme étant le type même du fraudeur, alors que la fraude, elle est multiple, elle touche l'ensemble de la population. Et j'ai surtout rappelé qu'on avait une pression fiscale en Belgique beaucoup trop élevée et que dès lors, si on diminuait la pression fiscale, il y aurait forcément moins à gagner à frauder. Voilà l'occasion, ce genre de forum, de pouvoir faire passer des messages qui vont aussi dans le sens, et qui sont un message politique, mais qui vont aussi dans le sens de faire passer des messages nécessaires pour soutenir notre économie. Et je remercie Forum for the Future de nous permettre de donner ce type d'informations.